aux organisateurs. L'an dernier, quand on m'a fait l'honneur de me nommer patriote de l'année, je me suis fait dire, mais qu'est-ce que c'est être patriote en 2015-2016? Être patriote en 2016, c'était d'être ici, d'être résolument contre le projet d'énergie Est. C'est ça, patriote, être patriote en 2016. Vous savez, et on m'a demandé qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Puis une des affaires que j'ai proposées à ce moment-là, en novembre 2015, c'est qu'il faut qu'on connaisse nos adversaires. Il n'y a pas de meilleure journée que le Victoria Day, Fête des Patriotes, pour mieux connaître notre adversaire. Parce que, vous savez, cette ironie est sublime de voir le Québec fêter les Patriotes et le Canada fêter la Reine Victoria. On veut connaître notre adversaire, il faut un peu se pencher là-dessus. Vous savez, la reine Victoria a accédé au pouvoir au printemps 1837. Exact. Et sous son règne, ils ont pendu les patriotes ici, au Québec, au Bas-Canada. Ils ont brûlé les fermes. Ils ont fait une répression, ils ont exilé des centaines de personnes. Ça n'aurait pris qu'un seul mot de cette dame-là et ils ne les auraient pas pendus. Parallèlement, et nos voisins et amis canadiens devraient se rappeler, ils ont pendu 20 reformers en Ontario, 20. Samuel Lount, on peut les nommer. Le Canada les a effacés, les a oubliés pour toujours. 20 personnes ont été pendues sous la reine de Victoria à Toronto et on continue à fêter Victoria Day. C'est la nature du Canada. La nature du Canada, c'est une monarchie. Oui, Canada. Mais vraiment, là, c'est chasser le naturel, ça revient au galop. Le côté monarchique du Canada ressort lors de cette fête. Si elle avait dit un mot, il aurait pu empêcher aussi la pendaison de Louis Riette. Le Canada continue à fêter ça et fondamentalement, le Canada est une monarchie. Contrairement à la monarchie, contrairement à la reine Victoria, quelles étaient les idées des patriotes?